Bonne question. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Souvent, on demande plus la différence entre crise d'hyperphagie et crise de boulimie. Disons qu'une crise d'hyperphagie, ça va être une prise alimentaire vraiment très forte. On passe un peu en mode pilote automatique. On ne peut pas vraiment se contrôler. C'est pas vraiment manque de volonté. C'est juste que on engouffre. Et ben après, on se sent mal et voilà. Et la boulimie, ça va être la même chose, mais après, il va y avoir un geste compensatoire. Donc, plus de restrictions, ça veut dire soit une purge, soit le lendemain, on va faire une détox, un jeûne, du surentraînement. On va vraiment se purger pour se punir de l'erreur qu'on vient de faire, parce qu'on estime que c'est une erreur, c'est un drame. Donc, faut surtout pas. Dans tous les cas, il y a plus de contrôle et de restrictions dans la boulimie, mais ça reste un comportement alimentaire similaire. Mais ça reste, tout ça reste du groupe des compulsions alimentaires, quoi.